Racontez un peu vos influences pour cette collection. Ce sont des influences animales avant tout. En fait, c'est à mi-chemin entre le corps animal décomposé, restructuré et l'architecture. J'ai voulu... Il y a deux parties, une partie assez floue, une partie très construite, architecturée et parfois déconstruite. Et je me suis inspirée donc de d'ossements, de squelettes, de... choses organiques qu'on trouvait dans la nature et j'ai essayé de développer une nouvelle écriture sur le corps de la femme et dans une étude anatomique en fait. Il y a deux pièces qui m'ont marqué. Première pièce, c'est une fourrure. Ça, c'est une fourrure composée de Silver Fox, de renard argenté. Et donc, c'est un partenariat avec Saga Furs, qui sont danois. Et ce que je voulais faire, c'était creuser le poil et choisir un renard qui avait plusieurs densités, une évolution de tonalité dans la longueur d'un poil. Et c'est un renard qui va du blanc pur jusqu'au gris, jusqu'au noir. Et donc j'ai voulu tailler par strates des graphismes pour révéler cette profondeur-là. Et je ne sais pas si c'était moi qui a vu, mais j'ai vu un visage. C'est pas... Oui, c'est... vous pouvez raconter un peu. Il y a un visage sculpté d'un vieil homme pas content. D'un vieil homme pas content. Oui. Pourquoi il n'est pas content? Parce que c'est plus facile de sculpter pas content que content.